Je suis indépendant depuis l'âge de 23 ans. La dernière activité que j'ai faite, j'avais créé une société dans le textile bébé qui s'appelait Les Petites Bébêtes. J'ai rejoint IAD en 2011. C'est Stevie Boiteau, mon parrain, qui m'a téléphoné suite à sa liste chaude, forcément, puisque ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas vu. Et j'ai refusé au début d'aller voir une présentation parce que je ne voulais pas faire d'immobilier. Et il a su me convaincre, donc j'y ai été et j'ai été complètement séduit par le fait de, avec 200 euros par mois, avoir ma propre entreprise. Pas de stock, pas d'employés. Le MLM que j'avais déjà côtoyé quand j'avais 18-19 ans à travers Amway. Absolument pas. Par contre, dès que j'ai entendu Italie, je savais que j'irais. Moi, j'aime l'Italie depuis toujours. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais j'ai une attirance énorme vers ce pays. Et en fait, quand j'avais ma boîte dans le textile bébé, là, les petites bébêtes, que j'ai montée à 33-34 ans, j'avais décidé de la vendre à 50 et d'aller vivre ma retraite en Italie. Alors, mes objectifs pour l'Italie à 5 ans, c'est d'accompagner une dizaine de personnes à créer leur équipe dans leur ville. Beaucoup de disponibilité, toujours. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup de temps au téléphone au quotidien. Une présence permanente, là je viens d'intégrer 2 personnes sur mon premier niveau, je sais que ça nécessite 4 semaines, plein d'intégration, donc je suis rentré un mois, j'ai passé tout le mois de septembre à Nantes. Donc j'avais pour objectif d'être à 50 ans en Italie. Ça s'est fait d'une manière complètement différente, mais aujourd'hui, grâce à IAD, j'ai pu fêter mes 50 ans alors que j'étais déjà posé en Italie.